Tais-moi. C'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule. OCB, ma gueule. Original Cash Burn, Coco. Et moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Dis cap qui aura le dernier smile, hein. Le même qui file 5 fiches plein à Berlin. Tu ne pas, mon pote, t'es bien chaud, hein. Ce que j'ai fait te semble incroyable. Ce qui fait de moi, original, inoubliable. D'où j'arrive, c'est inévitable. Ouais, ma gueule. Et moi, le give a fuck pour moi de lendemain. Ouais, Coco, ta broche à rouler sa bosse, ça coûte pas pain de crosse et de crasse. Et c'est pas un plus, mais le seul qui ose mettre un grand coup de latte dans ta. Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un bon carnage à l'ancienne sur BO2. Ben oui, je suis retourné sur BO2 un petit peu. Ça c'est pas un carnage que j'ai fait maintenant, c'était un gameplay qui est assez vieux quand même, que j'avais gardé en stock pour vous. Donc voilà, bon, l'arme c'est vrai, elle est un peu classique. AN94, cross silencieux, avec des grosses core strips comme on aime bien, groupe de chasse, chien et microstation orbital. Donc j'ai à préciser que ce gameplay... ben je jouais solo, sur mon compte Bandidos solo. Voilà, donc c'était un beau carnage de ma part, je suis fier de vous le présenter. Bien évidemment, on va parler aujourd'hui du gameplay un petit peu et d'un sujet, ben j'ai bien réfléchi. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, là où je parlais que, ben voilà, que j'aimerais bien avoir ma PS4 pour pouvoir faire des gameplays sur un nouveau jeu et tout ça. Donc déjà, je tiens énormément à vous dire, je remercie énormément tous les abonnés, tous, malgré certains j'ai pas pu répondre à leurs messages et tout, j'ai été touché, même choqué par certains messages de vous, parce que tout simplement c'est quand même c'est hallucinant, franchement j'ai des frissons en parler parce que j'ai eu des messages de barge, mais des trucs de ouf, genre des abonnés limite qui m'ont gueulé quoi, genre en disant Banditos tiens barjo, n'arrête pas, qu'est-ce que tu nous fais, nous laisse pas comme ça, nous on aime bien voir ta patate, on s'en bat les couilles si tu as la PS4 ou si tu l'as pas, tu pourrais avoir même une Nintendo 64, tu ferais des vidéos, on s'en fout, on te suivrait, franchement, plein de messages comme ça, d'ailleurs j'en ai publié deux sur mon Facebook de Banditos HD, c'était, on va dire, ces deux messages que bon, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais j'ai choisi ces deux comme ça, un petit peu par hasard. Mais c'est des messages vraiment touchants. J'ai eu des messages, même limite, il y en a certains, ils m'ont dit, mais Bandidos, si t'arrêtes YouTube, moi je regarderai plus YouTube parce que voilà, t'es le seul que je suis. Ouf, là, ça m'a choqué un peu parce que je me suis dit, waouh, je pensais que, ben, je sais que beaucoup d'entre vous regardent plusieurs YouTubeurs, mais. De là à recevoir tant de messages de certains abonnés qui m'ont dit Bandidos, nous YouTube ça nous a gonflé mais on te suit encore parce que t'es le seul qui donne la patate et qui me motive avant d'aller à l'école ou qui me fait décompresser en rentrant de l'école ou en rentrant du travail ou avant de me coucher j'aime bien regarder tes vidéos, regarder tes anciennes vidéos, même des vidéos qui ont plus d'un an et demi voire deux ans. Waouh, je me suis dit putain Bandidos en fait ouais ok t'as peut-être des problèmes et tout mais t'arrives à donner un peu du sourire à certaines personnes et notamment beaucoup d'abonnés. Franchement ça fait plaisir, j'avais pas fait de vidéo depuis deux mois, la dernière vidéo que j'ai fait elle a bien marché, vous avez été actifs et tout. Et vu de là, il m'est venu cette fameuse idée parce qu'on m'a proposé énormément de... On m'a dit tonton, j'ai eu, je crois j'en ai eu 200 de messages comme ça. On m'a dit tonton, ouvre un compte PayPal et on t'envoie tous 1€. Voire 2 euros, même si c'est 1 euro, m'a dit si t'as 21 000 abonnés, je veux dire, même tout le monde envoie 10 centimes, ça te fait la PS4. Quoi. Et je me suis dit que ouais, c'était pas une mauvaise idée, j'ai envie de vous dire, mais moi je suis pas sur YouTube pour prendre l'argent des gens. Déjà, au niveau de vous, les abonnés, c'est pas mon but, je vois pas la raison, et même j'en ai pas envie, je suis pas venu sur YouTube, je suis venu sur YouTube pour m'amuser, pour faire plaisir. Donc je veux pas votre argent. C'est pas méchant, hein, mais je veux pas. Après, j'ai quand même gambergé, j'ai réfléchi à plein de trucs. Je me suis dit non, je vais pas ouvrir un compte PayPal. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de votre argent. C'est gentil, hein, franchement, je kiffe. Hein, c'est énorme, le soutien quoi. Quand tu vois que des gros youtubeurs, ils te répondent même pas et qu'il y a des abonnés qui ont entre 10 et voire jusqu'à 40 ans, ils te proposent, même si c'est le geste, même si c'est 10 centimes, c'est énorme. C'est, voilà, c'est énorme. Donc franchement, j'ai réfléchi à une solution. Ben, tout simple, moi je me suis dit, puisque vous voulez faire plaisir à tonton, il y a un truc qui paraît simple. Vous savez quoi, j'ai regardé mon compte PayPal, là où je suis viré par le partenariat tous les mois. D'ailleurs ce mois-ci j'étais payé 10 euros, c'est énorme, on va aller très loin avec 10 euros. Mais voilà, je voulais vous dire que j'ai 30 euros sur mon compte, c'est pas grand-chose, hein.
Il manque 370 balles. C'est énorme. Ça fait mal. Bon, allez, on va dire 300, parce que 70 euros, je pourrais peut-être les mettre sur ma paye. Enfin, voilà. Bah, je me suis dit un truc tout simple. J'ai calculé une chose. Vu que je suis en partenariat, je me suis dit, bah, vous savez quoi, vous voulez m'aider. Tout simple. Vous savez quoi, vous faites tourner des vidéos de moi. Parce que, normalement, je n'ai pas le droit de le dire, parce que mon partenariat, s'il entend ça, il me zingue direct. Mais voilà, c'était la solution. Petite coupure. J'étais à 40 frags à la mi-temps. Là, je vais refaire un massacre. En deuxième mi-temps, un modèle de massacre. Vous allez voir ce que c'est, un massacre. Un massacre à la tonton Manidos, comme vous aimez bien. Là, je vais faire bordel. Donc franchement, écoutez mon commentaire et limite, après, regardez que la deuxième mi-temps. Et vous allez voir ce carnage en deuxième mi-temps. Mais c'est du frag, du C4, des scorseries. Voilà, bref. Donc, tout ça pour revenir au sujet. Et ben, je me suis dit, j'ai trouvé une idée. Je me suis dit, ben voilà, c'est ceux qui veulent des tontons. Ça va passer par PayPal, mais pas, c'est mon partenariat qui va payer sans le savoir. C'est à vous, c'est vous. Ben, si vous voulez m'aider, c'est tout simple. Je sais pas, moi, vous choisissez soit une vidéo par exemple, au hasard, et vous mettez la lecture, même si vous coupez le son, on m'en fout, vous m'écoutez pas si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas vu les vieilles vidéos, ben, je vous conseille au pire d'aller regarder. Je me suis dit, ben, si mon nombre de vues augmente forcément, vu que je suis payé à peu près 1,50€ les 1000 vues, quand les 1000 vues sont vues sur une vidéo entière, c'est pas juste un clic. Hein. Donc, faut pas se tromper, c'est pas un clic. Faut laisser défiler la vidéo du début jusqu'à la fin. Et là, à partir de là, c'est 1,50€ les 1000 vues. Donc je me suis dit, bah écoute, même si ça dure, je vais faire encore des vidéos. Déjà, bonne nouvelle pour vous, je pense. Donc je me suis dit, même si ça dure 3-4 mois, c'est pas grave. Vous m'aurez aidé, vous m'aurez boosté les vues. Et indirectement, c'est vous qui me donnerez de l'argent sans le sortir de votre porte-monnaie, parce que c'est le partenariat qui paye. Donc voilà, Toto il est un peu malin, il a réfléchi, il s'est dit, les abonnés qui sont derrière, Colagnac. Je sais pas, moi le soir vous regardez la télé, vous mettez votre PC, tac, vous balancez 2-3 vidéos, vous les laissez défiler, même si vous les regardez pas et que vous coupez le son, on s'en branle. Ça augmente les vidéos. Parce que regardez bien, des youtubeurs comme par exemple qui ont des vidéos qui ont 100 000 vues. Eh ben 100 000 vues, forcément elles vont être vues encore plus parce que les gens regardent comme si une vidéo a 100 000 vues et tout. Donc je me suis dit, voilà, au pire vous choisissez une vidéo ou alors même n'importe laquelle au hasard et de temps en temps vous cliquez. Même si vous faites vos devoirs, que vous regardez pas, pas les devoirs, j'exagère, mais vous travaillez à l'école. Mais genre, je sais pas, quand vous jouez à la play, ça coûte rien d'envoyer une vidéo, tac, et ben voilà, c'est le seul moyen que vous pourrez m'aider. Donc je pense que c'est une bonne solution, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'attends de vous dans les commentaires deux choses, si je peux me permettre. C'est de me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette solution. Et après, je veux vraiment, deuxième sujet, je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez de ce gameplay. Parce que moi franchement j'ai pris un réel plaisir à repartir sur BOD aussi là, c'était énorme. Ça frag, il y a du frag, la barre de vide elle s'arrête pas de monter, bim. Voilà, Ghost on tue un mec toutes les 10 minutes. Là franchement voilà, elle arrive, 105-3, c'est pas mal, c'est un gros ratio. Vous allez, franchement c'est mi-temps, elle est démoniaque, je sais pas si vous la regarderez bien, vous allez voir, j'ai l'impression d'être increvable, c'est en mode warrior. Et comme vous allez voir à la fin, il n'y avait pas de petits prestiges. Et pas des petits grades, donc franchement je suis content, j'étais solo, Microstation c'est moi qui les ai mis, donc voilà, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de support, donc faut tenir en compte, voilà, c'est pas un mauvais score, j'espère que ce gameplay vous plaira, il est assez agressif, il n'y a pas de camp, hein, vous allez voir, c'est de l'agressivité, on fait tourner les spawns, on attaque le spawn ennemi, voilà, donc franchement, je vais peut-être vous mettre encore un ancien Call of sur le prochain, je sais pas si je vous mets une KEM, ou repasser peut-être sur du Black Ops 1, peut-être, pourquoi pas, du code 5, je sais pas, code 4, je sais pas, j'ai des gameplays, j'ai regardé mon ordinateur, j'ai pas mal de gameplays, je pense qu'ils vont vous plaire, donc voilà, c'est un véritable massacre, vous allez voir, encore, je crois pas que si la partie, là, ça dure encore 5 minutes, ça s'arrête pas, il y a des parties comme ça, où vous sentez Terminator, en mode bordel bandidos, donc voilà, je voulais faire une petite dédicace à mon pote de la team Rico aussi, ce que j'avais promis dans une vidéo et voilà, il sera pourquoi je pense, il s'en rappellera. J'avais zappé, désolé Rico, mais voilà, peut-être dédicace elle pour toi. Dédicace à tous mes abonnés aussi, franchement, qui m'ont vraiment soutenu, ils m'ont donné la patate. Franchement, le soir, je lisais vos commentaires, ça me donnait la patate avant de me coucher. Donc franchement, voilà, c'est un tonton Matudos qui revient avec le plaisir. J'espère continuer d'être stable. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, tous les week-ends. Si j'y saute un week-end, ne m'en voulez pas. C'est pas que j'arrête YouTube, c'est que voilà, j'ai pas pu, ou une contrainte. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. Bon, fini, on gagne la partie.
Je finis pour S5 pour toi. Comme vous pouvez le voir, les grades, c'est pas trop des noobies, ça va, c'est des grades de Prestige 5, Master, Prestige, voilà. Donc n'oublie pas le petit like pour tonton, pour le motiver. Faites péter les vues, comme ça je m'achète la PS4, je fais un carnage après. Et si vous avez raté mes deux vidéos précédentes, ben, n'hésitez pas à les voir. Et sur ce, je vous fais un gros bisou à tous. Et je vous dis ciao les gars!